Bonjour tout le monde, ici Caribou Canada avec vous pas, j'espère que vous allez bien parce que moi je vais super bien. Oh yeah, allez, on continue l'aventure du jeu In Race of the Light, live sur la chaîne du Caribou Canadien. Oh yeah! Bon, malheureusement on est pris à recommencer plusieurs choses. Le jeu s'est fermé, puis la sauvegarde, il n'y a pas assez de sauvegarde. Rien. Bon. On sait que l'essence est là-dedans, on va aller la chercher. Oui, maman, qu'est-ce que tu fais? Moi ça va aller vite, on sait tout ce... on sait où sont les objets, c'est juste que là t'es prêt à tout ramasser de nouveau. Enrageant. Je connais bien le bâtiment, donc ça va quand même aller assez vite. Je pense qu'il y a une clé là sur la boîte. Et voilà. Ici c'est le téléphone, il y a du change. Et voilà. C'est bien. C'est bien. Là, c'est la porte de sécurité. Il me semble qu'il y a une clé là-dedans. C'est beau, ça. Ah, une clé, non. Là, on a trois clés. Non, c'est ouvert. Il faut détrister, ça donne rien. Est-ce qu'il y a une porte là? Ok, rien. Ok, on va prendre l'escalier. Ben, je vais vérifier si j'ai déjà fait ça. J'ai pas regardé ça. On va aller en haut. En escalier.
Il semble rien voir. Oh. Comment ça, il y a rien. On y va là en ce. Okay. Ici, on a déjà le code 048. Ah, on a l'impression de la trouver hier. Donc, on va ouvrir ça. Zéro. Quatre. Huit. Huit, quatre. Le chiffre, le code a pas pu changer, tabarnak. C'était ça hier, le code. En tout cas, je vais aller voir quelque chose, je reviens. L'indice est caché ici. C'est ça, 0. Ah, 047. Pour faire fonctionner ça, il faut l'ordinateur. Il faut de l'électricité. Je pense qu'on peut cliquer sur le document. Encore une clé que j'ai pas utilisée, c'est la clé du bas. Et ça c'est fait. Comment on va aller là? La clé pour le sous-sol. On va aller au sous-sol directement. Et voilà. Et en bas, il va y avoir le briquet. Donc le briquet. On peut placer l'essence ici. On a mis l'essence. Et je pense qu'il y a un document ici qu'on peut vérifier. Bon. Hier, on avait arrêté, on avait attrapé le briquet, puis on savait pas trop quoi faire. Selon moi, j'ai une bonne idée. Non, c'est pas là. C'est là-bas. Ah, il y a une canne ici qu'on peut ramasser, mais ça. Je la vois plus, mais je l'avais vu tantôt. Ah, j'ai la carte que j'ai pas ramassée. Hein. Ça, c'est un nouvel endroit. Ah ah, bon!
Comment papa? J'ai pas envie. Oh. Qui marche. J'ai laissé tout dans le casier. Je l'ai lavé et huilé la partie. Tout semble correct. Au second plancher, la lumière s'est fermée. Ça fonctionne normalement. Ça, j'ai mal traduit ça. S'il démarre. Pulling, je sais pas ce que ça veut dire. Dans l'autre port. C'est drôle. L'horloge a arrêté de fonctionner. Faut voir que j'amène des piles demain. Un casier 2 qu'il avait dit. Ça semble vide. Et là, je vais pas rentrer là pour rien, là. Chapeau? Ah, là! Ça disait. If I start pulling. Ah! Bon, faut que je ferme de quoi pour l'ouvrir? Pulling, faut que je google ce que ça veut dire. Demain, quelle heure quand je vais me coucher? Une bonne question, ça dépend. Elle doit s'ouvrir d'une façon, mais... Putain! Y'a un puzzle là-dedans, c'ti. Pas la traduction. I wash and everything is okay. The second door is slated. Ouais. Téléphone qui fait des siennes. Tu fonctionnes pas comme il faut là. Et mon téléphone est là. J'ai enlevé le sans fil là. Je vais placer sur mon data, ça va plus vite. Bon, t'as dit. The second port is slightly
harder to close. But its work normally is see I start by the more pulling the other doors. La deuxième porte est légèrement plus difficile à fermer, mais cela fonctionne normalement si je commence par tirer les autres portes. Qu'est-ce que c'est dit? Qu'est-ce que ça dit après? Hey, c'est tout moi qui comprends pas le... La deuxième porte est légèrement plus difficile à fermer, mais cela fonctionne normalement si je commence par tirer les autres portes. Y'a-t-il pas une manière de les ouvrir? Y'a-t-il une ordre? Ah, oh, il disait l'horloge. Ah, oh, l'horloge! Le 1, le 4 et le 6. Le 4, le 1 et le 6. Ça, c'est le 6. Ferme le 3. Ferme le 5. Là, ça devrait marcher. Ah ah! C'est le fun d'avoir un cerveau, c'est incroyable. Attention! Un air de raid, alerte, déclaré! Allez immédiatement à la défense, le building de basement, underground, métro, station. Allez immédiatement dans le building du basement. Passez les larmes, les vêtements et tout sera là. C'est possible d'amener les documents. Moi je suis pas ta maman. La carte est là. Là.
La porte s'est ouverte. Sauvegarde. J'irai là après, j'ai un autre endroit où je vais aller avant. Ok, je suis barré là, j'ai pas le choix. Mais bon, pas de main, ça j'en veux pas là. Ta crise. Un escalier. Je vais y aller après, c'est trop loin, je vais regarder ici. Vraiment, moi. Les briquets marchent pas trop. Oh. C'est bien grand toutes ces places là. Ok, j'ai revenu sur mes pas. Et par là, ça te ramène à la même place. Who gave you? Les personnes chaotiques. Je vois la pression. C'est temps de dire à tout le monde qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui se passe. C'est le silence dans le corridor. La peur et la réalité arrivent tranquillement. Le silence brise par l'intérieur. Mais tout commence à quand même à tomber. Les murs et le toit. On dirait vraiment l'enfer. Plus ça a l'air d'un poème que d'autre chose.
tout ce que je manque là. Salut Félix. T'avoues que je comprends rien tout. Mais faut que je trouve un interrupteur ou quoi? We'll give you the sign. Qui t'a donné le signe? Hey là là. Moi, c'est à terre.
ça? Je suis tourné en rang, tabarnak. Qu'est-ce qu'il va pas? Il me semble que j'aurais pu aller tout droit tantôt, puis tantôt. Si moi j'ai eu peur. Pas pourquoi, mais j'ai eu peur. Il va venir. Ah, l'œuf. Ok, j'ai réussi, j'ai aucune des commandes, je suis là. Ouvre-moi ça là. On comprend quand même pas ce qui s'est passé là. Ça. Qu'est-ce qui se passe, tabarnak? Non, je veux pas de mort à cela. Je veux pas de mort. J'aime pas ça des mors. Là, il y en a un, deux, trois. Qu'est-ce que je fais? Ah! Mom, I'm leaving. Je pars. Je partir la tête libre et tout, le cœur pur. Dans ma liste de regrets. Je pars des mémoires plaisibles du passé. Et les bons moments. Et les moments qui m'ont donné cette vie. Des fois, on a juste besoin d'accepter parce que nous pouvons pas influencer ou changer rien. Tu sais, c'est facile de l'entendre. Parce que nous pouvons faire plus de ce que nous pensons. La chose principale, set yourself correctly, te placer correctement. Calisse, qui a fait ce bruit là? J'aime plus ça, voilà. Ouais, y'a quelque chose.
C'est pas mon langage. Écris mon russe. Il y a peut-être quelque chose d'écrit sur chacun des murs. Everyone will. Tout le monde. Ouais, they are down. Arrête! Je suis revenu à la même place. Bon, c'est même pas ces murs-là pouvaient communiquer ensemble. Comment ça se fait? Là, je comprends plus. Là. Fais rien, calice! Now the place is... Maintenant la place est ta maison. Pour tous les millions d'hommes, you found here this. Ça, c'est ce code-là, moi. Je me demande si ça n'a pas rapport aux chandelles. Mais... J'ai vu des chiffres là.
24 jours ont passé et beaucoup de personnes sont mortes à cause de la radiation. On est en train de manquer d'eau et de nourriture. Au-dessus de 100 personnes. Comment leur propre maison, leur propre vie, leur propre rêve. Sans des mères, des pères, des enfants. Il y a un chiffre là. Excusez-moi d'une lettre, il y a un chiffre. Oh. On sait que là vraiment comme un film, une littérature, la senteur de la peur, peut-être que le seul endroit où nous pouvons aller et être correct sont dans les rêves. On peut croire que c'est un et c'est incroyable. Et in the core. L'endroit s'il y avait un couteau là. Ça disait ça.
Et le chiffre 6. Ça parle du zeste, mais... C'est comme l'ombre s'est pendue. C'est sûrement un endroit que j'ai pas été là. Vu que c'est un espèce de labyrinthe perdu. C'est que je connais pas le chemin en tout. Ah, j'avais dit 2, 3, 3. Non. À moins que c'est le même code qui est en haut. Non, c'est sûr que non, c'est vrai.
comprends rien. No monster ici, c'est vrai.
code que je trouve. Je pense qu'on va prendre une pause là parce que là, il y a des limites. Non, c'était tout pour le live du Caribou canadien. Oh yeah!